Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors du coup aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous avez pu le voir je suis actuellement chez moi. Et puis du coup aujourd'hui on va partir chercher un babysitter. Parce que voilà étant donné qu'aujourd'hui je ne serai pas, enfin en tout cas ce soir je ne serai pas à la maison. Et bah du coup voilà il faut bien que mes enfants soient gardés par quelqu'un de compétent quoi. Donc par un babysitter et donc c'est ce qu'on va faire dans ces vidéos. En tout cas juste avant qu'on commence les vidéos je compte sur toi pour que dès maintenant tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Voilà ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus comme ça tu ne feras plus aucune de mes vidéos. Et puis si tu ne l'as pas encore fait des maintenant n'hésite surtout pas aussi à pourquoi pas mettre un petit pouce bleu. Voilà ça me soutient énormément. Et puis à 5000 likes je referai un épisode 2. Et puis du coup si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas aussi à pourquoi pas cliquer sur le bouton rejoindre ou alors le bouton devenir sponsor qui se trouve en description. Comme ça vous allez du coup devenir sponsor et donc évidemment chaque mois vous allez me soutenir etc. Et puis évidemment je pourrais faire des dédicaces à tous ceux qui deviennent sponsors à la chaîne. Et aujourd'hui je tenais à remercier les 4 nouveaux sponsors. Il s'agit de Isabelle, de YoYo Game, de Skip et puis de Colin. Voilà qui ont du coup pris le grade Mega King à la chaîne, c'est à dire voilà le plus gros grade qui est, et bah, qui existe sur la chaîne YouTube. Donc franchement merci beaucoup les potes. Et puis si jamais vous aussi vous voulez être dédicacé pour ma prochaine vidéo et bah n'hésitez pas à devenir sponsor vous aussi, ça me ferait super plaisir. Et plus vous prendrez un grade qui est élevé plus vous aurez du coup une grosse dédicace. Bon du coup aujourd'hui je suis avec mes deux enfants. Donc il y a Lola qui est juste ici. Coucou Lola, salut, ça va? Ça va. Ouais bah écoute ça va super. Tu regardes quoi? Tu regardes, oh bah tu regardes là-haut je crois le dessin animé là. Ok c'est trop bien. Ouais. Et il est où Twitwi? Il est où ton frère? Bah je l'ai pas vu. Est-ce qu'il a bien pu, passer Twitwi? Attends, je sais, peut-être qu'il est dans le coffre, fort secret. On va aller voir s'il est dans le coffre fort secret. Oh, vas-y, bah viens avec moi Lola. Ok, en plus à l'intérieur il y a plein de nouveaux vêtements etc. Donc ah bah il est même pas là. Bon, ah bah il se cachait. Ah bah te voilà Twitwi. Comment tu vas? Bien hein toi? Bah écoute ça super bien. Ah ouais tu nous as fait un bon petit prank hein. Bon et bah écoutez c'est parfait les enfants. Regardez on est dans notre endroit un petit peu secret. Et puis comme vous avez pu le voir il y a du coup un tas de tout nouveaux vêtements qui sont maintenant disponibles sur la boutique de t-shirts. Vous avez pu le voir il y a des vêtements Twitwi Lola. Donc avec mes deux enfants regardez ça. Eh vous avez vu vous êtes vous deux sur le t-shirt là. Wouhou ouais. Trop beau. C'est les meilleurs. Eh ouais c'est les... ils sont trop bien eux. Voilà après on a des t-shirts Twinner. Des t-shirts Twinner comme ceci. Et puis les amis des t-shirts mes amis. Donc avec Marina ma copine et puis le Capitaine Jack mon meilleur ami, enfin un de mes meilleurs amis. Donc du coup voilà, évidemment vous pourrez aussi retrouver des tasses, des coques de téléphone, des coussins et encore un tas d'autres choses. Donc allez tout de suite faire un tour dans la boutique de vêtements qui se trouve en description. Voilà, il y a plein d'articles qui sont qui vont rester très peu de temps hein. Combien de temps ils vont rester encore les enfants vous pensez là? Seulement 3 mois, pas plus. Seulement 3 mois, un mois. Donc bon les amis vous avez bien compris hein, comme quoi il faut absolument que vous vous fonciez tous maintenant. Parce que les amis ils vont rester un mois mais il y en a qu'une dizaine ou une vingtaine. Donc foncez vite acheter vos produits parce qu'il en reste plus beaucoup. Voilà les enfants. Bon alors les enfants je vous ai pas dit aujourd'hui qu'est-ce que on va faire. Mais bon en fait en gros je vous explique. Alors venez les enfants s'il vous plaît venez. Voilà oui, on va sortir de la base un petit peu secrète. Voilà nickel on va sortir parfait. Ok bon alors du coup en gros les enfants ce qui va se passer c'est que voilà vous avez pu le voir bah on ça va nous on se porte bien etc. Sauf qu'en fait ce soir et bah je serai pas à la maison parce que voilà j'ai un repas à faire un petit peu professionnel vous voyez avec avec un directeur de quelque chose quoi. Et ouais. En gros bah non justement vous pourrez pas venir en fait c'est ça le problème. Vous pouvez mais pas non, venir non. Mais oui mais vous pouvez pas venir parce qu'en fait ça va finir tard et puis demain vous avez école les enfants. Donc du coup et bah je pense qu'on va venir. Je pense que demain tu vas être claqué, tu vois, comme tu vas faire. Ouais, bah oui, bah en fait demain je serai peut-être un petit peu fatigué, donc du coup c'est pour ça que du coup il va y avoir un babysitter qui va vous garder ce soir. Oh mais non mais justement, c'est vous qui allez choisir votre babysitter, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un grand garçon, ouais. Une grande fille, vous préférez quoi vous les enfants? Mais je sais pas, moi tu sais, à chaque fois qu'il y a eu des babysitters, souvent ils étaient méchants et tout. Ouais mais bon, ce soir, enfin aujourd'hui je pense qu'il va être, enfin je pense que ce sera un bon babysitter. Donc voilà, vous inquiétez pas. On espère en tout cas que ce sera un bon babysitter. En tout cas les amis, si jamais vous pensez qu'on va avoir un bon babysitter, mettez-le moi dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous pensez qu'on va tomber sur un gentil babysitter ou un méchant. Voilà, mettez plein de commentaires pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Et surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va maintenant partir du coup à la recherche d'un babysitter. Mais juste avant qu'on aille le chercher les amis, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Et puis sur Snapchat, voilà, tout se trouve juste ici. Voilà, mon Instagram c'est TwinnerYT. Je dédicace toutes les personnes qui viennent me suivre sur Instagram aujourd'hui. Donc foncez vite me suivre sur Instagram. Hein. Eh les enfants, est-ce qu'on fait une surprise à tous ceux qui viennent me suivre sur Instagram aujourd'hui? Ouais. Ouais, ouais, ok. Bon, bah les potes, hein, voilà, vous avez pu l'entendre. Aujourd'hui, il y aura une surprise pour tous les nouveaux abonnés Instagram. Donc ajoutez-moi aujourd'hui et puis écrivez-moi un message en me disant comme quoi je veux savoir c'est quoi la surprise. Comme ça, bah, peut-être que je vous montrerai la surprise. Puis évidemment, il va prochainement y avoir un concours pour gagner un téléphone.
téléphone. Donc du coup voilà mes abonnés, si jamais vous voulez gagner un téléphone, ça se passera aussi sur Instagram, hein. Évidemment sur YouTube on peut pas faire de concours etc, mais sur Instagram on peut, donc les potes voilà, venez me suivre si vous voulez tenter de participer pour gagner un téléphone vraiment trop bien. Vous en pensez quoi de ce téléphone les enfants là? Il oui, est trop top beau, hein. Trop bien, wow. 5G exactement, c'est à dire qu'il y a la 5G, c'est à dire qu'il va trop vite et tout hein. Peut-être que ça se trouve c'est même mieux que l'iPhone hein, ce téléphone là hein. Ah mais moi j'en suis sûr, d'ailleurs tu sais que je l'ai acheté et je le trouve trop cool. Ah tu l'as acheté et il est trop bien. Bon, eh, on en parlera un autre jour parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça, d'accord Twitwi? Ok, ok. Voilà, voilà. Bon, et eh ben les enfants, venez, c'est parti. On va aller chercher du coup notre babysitter pour ce soir. Enfin, votre babysitter plutôt. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu dans la rue si jamais il y a des gens qui passent. Et puis surtout, on va aller voir s'il y a des petites affiches. Hein. Vous savez, les amis, les babysitters, souvent, ils laissent leurs petits panneaux devant des arbres, devant les maisons, devant les magasins, etc. Donc du coup, on va aller voir par ici s'il n'y a pas une petite affiche. Ah bah tiens, regardez, juste là-bas, je crois qu'il y a une affiche au niveau de l'arbre. Venez, on va aller voir si c'est une affiche de babysitter là-bas. Venez, venez par ici, là. Oui. Voilà, ah bah, vous, où bah par ici, regardez, juste là-bas, là. Il y a une affiche, ah ouais. Juste là. Voilà, juste là-bas, il y a une petite affiche. Alors voilà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est écrit par ici. Alors, candidature au poste de babysitter. Madame, monsieur, suite à la découverte de votre annonce, je me permets, nanana. Oh, attendez, mais c'est donc bien poste de babysitter. Oh, mais trop bien. Ok, Twitwi, essaye, enfin, Twitwi Lola, donnez-moi plutôt le numéro qui est écrit, du coup, sur le truc, là, sur l'affiche. Ok, hein. 03. Ok, 03, nanana, ok, après. Tac, tac, ok, après. 71. Voilà, après 23. Ouais. 12. Ouais, et pour finir 14. Ok, nickel. Bon, et bah du coup, voilà, je viens d'appeler du coup le numéro du babysitter en question. Alors voilà, on va essayer de lui parler un petit peu. Bah venez à côté de moi les enfants, on va lui poser des questions. On va lui parler en fait. Alors, hop, je mets mon haut-parleur comme ça tout le monde peut entendre. Allô. Ah, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Monsieur le babysitter, comment vous allez? Ça va et vous? Eh bah écoutez, ça va super. Eh bah écoutez, vous savez quoi? Je vais vous passer mes enfants qui sont vraiment très excités de vous parler, monsieur. Comment tenez. Vous vous appelez? D'accord. Je m'appelle Félix. Ah tiens, okay. Vas-y, pose une petite question tout de suite. Est-ce que t'es gentil? Ouais, bah oui, bien sûr. Et on va faire plein de jeux, etc. Ah, ah bah ouais, c'est trop envie. Bien. Vous adorez les jeux, les enfants, en plus, non? Oui. Bon, papa. Ouais. Papa. La prochaine fois, quand t'appelles les babysitters et tout, appelle-le avec le téléphone que t'as présenté au début de vidéo, il est trop cool. Ah oui, bah oui, évidemment, ouais, j'appellerai les babysitters avec le téléphone qu'on a eu au tout début de la vidéo. Bon bref, du coup Félix, est-ce que tu serais disponible ce soir pour pouvoir venir garder mes enfants? Ouais, pourquoi pas, écoute, ouais. Bon bah c'est nickel, bah écoute, par SMS je t'envoie du coup mon adresse où j'habite etc. Et puis je t'envoie aussi les horaires etc. Et bah du coup ce que tu fais c'est qu'on se retrouve ce soir, ok? Ok, pas de problème. Nickel, parfait. Bon, et bah du coup, nickel, Félix, il va venir du coup ce soir. Alors bon, Félix, il a un prénom un petit peu d'animal, mais allez, venez, venez, venez les enfants. Hop, bon. Parce que c'est un néant, hein, je dis ça, je dis non, mais parce que c'est un animal. Ah ouais, mais non, ah normalement, ouais. Les animaux, mais ils parlent. C'est aussi les un animal, non? Les animaux, ils parlent pas pourtant, non? Je sais pas, hein. Ouais, bon, allez, venez, rentrez, tac. Pas avec un animal, alors. On rentre par ici, les enfants. Peut-être les humains c'est un animal et peut-être c'est pour ça sa mère elle Bah oui c'est possible. Bon et bah du coup venez on va tous s'asseoir ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer une petite surprise à Félix. Donc du coup qu'est-ce qu'on pourrait lui faire, parce que voilà ça a l'air d'être un gentil babysitter. On peut lui faire un la petit gâteau les enfants. Ah eh tutoui, par contre on fait pas des trucs comme ça devant Félix s'il te plaît hein. Je te connais toi, tu fais un peu des bêtises des fois, donc on évite de faire des trucs comme ça s'il te plaît hein. Tu te comportes bien hein. À carreau, ok. Je te donne les ingrédients. Voilà, bon. Et bah du coup les enfants, en cuisine, c'est parti. Hop, maintenant ça va être un petit gâteau que vous allez faire. Allez tout de suite, hop, debout. Oui, d'accord. Allez hop, debout. Bon bah les enfants, je vais vous laisser vous occuper de faire le gâteau. Et je reviens dans 20 minutes et j'espère que ça va pas sortir le brûler partout dans la cuisine hein. La dernière fois ça a brûlé partout, il y avait du feu partout hein. Bref, je vous surveille vous deux là hein. Allez, bon, les amis, j'espère que je peux leur faire confiance et je peux partir. Attends, 5 minutes sans qu'il y ait le feu partout. Ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Wow. Oh, vous êtes sérieux? Mais vas-y, je peux pas vous faire confiance en fait les enfants. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Tout de suite, je vais aller chez Apu, donc reste ici avec Lola. Et moi, je vais aller chercher un gâteau tout neuf parce que vous faites que des bêtises hein. Voilà, bon.
Du coup, c'est parti, les amis. Je vais aller chez Apu en espérant que du coup, bah qu'il y ait Apu, au moins qu'il soit là-bas. Donc, allez, c'est parti. On y va, let's go. On va partir en direction du magasin de chez Apu. Je vais acheter évidemment un gâteau tout prêt parce que, bon, les enfants, vous avez pu les voir. Hein, je les ai laissés 3 minutes en cuisine. Ils avaient déjà foutu le feu pour vous dire à quel point ils savent pas se comporter. Voilà, donc c'est parti, direction le Quickie Market. Et j'espère qu'Apu est là-bas. Tac, on va avancer un petit peu. Ah, bah il est pas là, Apu. Oula, mais où est-ce qu'il est? Bon, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas un petit gâteau ou des... Ah, bah c'est parfait! Des donuts, ok. Bon, en plus, je vois pas Apu, donc c'est nickel, je pense qu'on va pouvoir les récupérer et partir vite en courant. Tac, ok. Bon, les gars, j'ai réussi à récupérer les donuts. Voilà, en plus, Apu, il m'a même pas vu et tout, donc c'est parti. Allez, on re-rentre directement à la maison, c'est parti. Et puis, bah du coup, voilà, on a la petite surprise pour Félix, je pense qu'il va vraiment être super content. Voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que vous aussi, Félix va être content ou pas avec ces tout nouveaux donuts qu'on va lui offrir. Hein. Un bon petit paquet de 6 donuts. Hein. En plus, ils ont l'air vraiment trop bons. Voilà. Allez hop, on retourne à la maison. J'espère que les enfants ne font pas de bêtises. Tac, voilà ici. Bon, les enfants, c'est bon, j'ai ramené les donuts. Donc venez en cuisine, venez vite faire un petit peu en cuisine. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené. Alors évidemment, les enfants, vous les mangez pas, c'est uniquement pour Félix. Venez en cuisine. Voilà, c'est ici. Bon, Non. Repose ça tout de suite. Repose ça tout de suite. Ah, ça va, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais les manger. Bon, Lola, elle est partie où? Elle est partie vite fait, tu sais, là je t'avais dit qu'elle devait aller dormir, mais elle va venir de nouveau. Ah ouais, elle est fatiguée. Ah ouais, bon bah écoutez. Elle fait une sieste. Ah bon. À fond avec la babysitter. Ah ouais, bah oui, parce qu'avec le babysitter, je pense qu'on va bien rigoler. Enfin, plutôt, vous allez bien rigoler, vous deux. Enfin, vous trois plutôt, du coup, vu qu'il va y avoir Lola. Alors bon, tout de suite, ce que je te propose, c'est que. Ah bah tiens, il est peut-être devant la maison. Ah bah il est là. Attends, mais c'est qui lui? Oh ouais. C'est lui, Félix. Mais t'as raison, en fait, c'est pas un humain, je crois. Attends, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a? Je me suis déjà fait avoir plus d'une fois là cette fois-ci mais... là. Oula oula, non mais il a l'air gentil. Arrête. Repasse-moi ton nerf là, repasse-moi tout de suite ça là, mais n'importe quoi. Bon, on a dit qu'on allait bien s'amuser, mais pas avec des pistolets à billes ou des pistolets bizarres comme ça, hein. Ok. Bon, mais par contre il a l'air quand même bizarre. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Pas toi? Bah écoute, c'est un chat. Après, je sais pas, peut-être. Les potes, je sais pas dans les commentaires si vous avez pas déjà vu cet humain, enfin ce monstre un petit peu étrange, hein, cette bestiole, voilà plutôt on va dire. Parce qu'il a l'air d'être gentil quand même, hein, il a un grand sourire, hein, ça se trouve c'est un gentil comme Mickey. Ouais, vas-y, on va ouvrir. Hein. Ah, ouais. Bonjour, c'est toi Félix, c'est ça? Oui. Ok, bah vas-y rentre Félix, rentre, je te présente un petit peu chez moi. Waouh, bah alors par contre je m'attendais vraiment pas à voir quelqu'un comme toi, hein. T'es quoi au juste? T'es un humain? On va dire que je suis un chat. Ah, t'es un chat, d'accord, ok. Bon bah écoute, enchanté Félix. T'es vraiment, t'as un joli pelage, hein, en tout cas, t'es joli. Voilà. Merci. Bon, et bah du coup, voilà, je te présente mon fils, donc l'enfant que tu vas garder ce soir. Et bonjour. Ma fille, elle est déjà en train de dormir, donc elle était fatiguée, donc quoi, tu vas juste garder mon fils ce soir, d'accord? Ok, pas et de problème. Puis, pas trop de bruit, s'il vous plaît, parce que ma fille, elle dort, et puis parce qu'il est déjà 22h. Et puis, bah, du coup, il faudrait emmener mon fils de préférence au lit avant 1h du matin. Je te le dis maintenant, parce que lui, je sais très bien qu'il va te dire qu'il dort pas de la nuit, hein. Hein oui, c'est parce que ça va être le 4, ouais. Bon, tu le mets au lit pas plus tard qu'à 1h, ok? Ok, pas de problème. Voilà, nickel, merci. Bon, et bah c'est nickel, bah, du coup, je vais vous laisser tranquille, ok? Ok, ouais, vas-y. Allez, à plus. Vas-y, ciao, tutui. Ok, bon, les potes, je pars pas tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils aient dans la cuisine ensemble. Et puis, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer des caméras un petit peu partout. Parce que, voilà, évidemment, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Donc, du coup, let's go. Hop, allez, première caméra que j'ai placée, du coup, à l'entrée. Voilà, vous avez pu le voir, tac, ici, comme ça. Je vais placer des caméras un petit peu partout. Donc, une en cuisine aussi, voilà, comme ça, on en aura vraiment bien. Ok. Une dans le salon, ici, là. Enfin, une plutôt là. Tac, alors est-ce que je peux en poser une là? Ah bon, on va en poser une là. Ok, donc ça fait 3 caméras. On va placer aussi une caméra. Mais j'ai cru voir mon père, attends, mais ici, on va passer une caméra. Oula, vite, faut que je me dépêche. Ok, faut que je me dépêche, tac, on va passer par là. Hop, nickel. Attends, mais il est où? Bon, je vais placer une petite dernière caméra ici aussi. Voilà, bon, les potes, j'ai mis des caméras à peu près partout vers le bas. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir bien les surveiller, etc. pour voir s'ils font pas de bêtises et si mon fils ne fait pas de bêtises ou quoi. Voilà, c'est bon, il y a des caméras de partout. Nickel. Bon, et bah du coup, les gars, hop, c'est parti. Nous, bah écoutez, on va partir de la maison. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à regarder un petit peu les caméras pour voir du coup qu'est-ce qui se passe, s'ils s'entendent bien, etc. Donc hop, je vais prendre la voiture, enfin ma voiture du coup, et c'est parti. On va s'éloigner un petit peu, bah du coup, de la base de la maison, de ma maison.
Voilà. Ok, bon, je suis un petit peu loin. Évidemment, dans les caméras, il y a des micros. Donc, c'est parti. On va regarder la première caméra. Est-ce qu'il y a des gens? Ok, donc là, je ne vois personne. Ok, donc on va regarder la deuxième. Ah! Ok, donc en cuisine, il y a tout de suite déjà. Il y a tout de suite qui est dans la cuisine. Viens. Alors, je crois que si on regarde la dernière caméra. C'est quoi ton petit prénom? De quoi? C'est quoi ton petit prénom à toi? Moi, c'est Félix. Et toi? Ah oui. Et moi, c'est Tutu, mais tu sais, moi, je crois que je t'ai déjà vu quelque part. Ah bon? Ben, écoute. Ben oui, mais je sais plus sur quoi en fait. Enfin, je sais pas. Ah. T'es pas un youtubeur, genre? Ah non, je fais pas de vidéos. Ok, ouais, alors bon. Pour l'instant, les potes, vous avez pu le voir, hein, je suis vraiment dans la cuisine en train de les observer un petit peu. Alors, ils font pas de trucs particuliers ou quoi, hein. En vérité, là, ils sont. Bah, il y a tout dit qui. Ah, il faut qu'il offre les donuts à Félix. Tu veux manger des donuts, Félix? Ouais, pourquoi pas, vas-y. Dans... Bah, en fait, non, t'auras rien. Oula! Oh non, il est sérieux, Tutui. Bon, malheureusement. Eh, malheureusement, je peux rien faire, hein. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une autre caméra. Ah! De cet angle-là, je peux les voir. Nickel. Hop, on peut regarder. Oh non, mais il est sérieux, Tutui. Ah, il a fait pipi sur Cartoon Cat, mais il est dégoûtant. Ok, vite, je me mets à l'angle 3. Voilà, là, je peux les voir. Là, je les vois à peu près bien. S'ils se mettent un peu plus au niveau du salon, on arrivera à peu près à les voir. Bon, par contre, faut qu'ils enlèvent le pipi quand même. C'est dégoûtant, ça. Ah, merde. Voilà. Bon, par contre, Tutu, il est vraiment pas très gentil pour l'instant. Hein. Ah, ça, c'est pas très cool, ça, ce qu'il fait. Bon, on va regarder un autre point de vue de caméra. Je crois que de l'angle 6, on peut les voir bien. Ah, voilà, de l'angle 6, on les voit bien. Regardez-moi ça juste là. On les voit plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Cartoon 4, ça fait combien de temps que tu habites ici? Moi, c'est Félix déjà. Oula, oui, bah oui. Vrai, mais en fait tu ressembles à lui, c'est pour ça, désolé. Cartoon Cat. Bon les potes, je sais pas si vous connaissez vous Cartoon Cat, si peut-être que ça vous dit quelque chose, mais bon apparemment tout de suite vient d'appeler Félix Cartoon Cat, donc du coup voilà. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire là? Bah tu viens t'asseoir ici, moi je vais jouer hein. Oula, mais à quoi ils vont jouer là? Oula. Moi aussi je vais jouer. Bon, et les potes, vous savez quoi? Peut-être qu'ils vont faire un petit jeu de cache-cache ou un truc comme ça. Ça pourrait vraiment être drôle hein, qu'ils fassent un cache-cache. Bon, du coup, les potes, hop, on va continuer à les observer, etc. Peut-être que ça peut être sympa. Bon, du coup, les potes, voilà, ce que j'ai fait, c'est que là, vous avez pu le voir, je suis donc dans ma voiture, donc on les entend pas actuellement. Ce que je veux dire, c'est que je vais me garer pas très loin de la maison, parce que franchement, les amis, le comportement de Félix, il est un petit peu étrange quand même. Donc du coup, hop, on va se poser par ici. Voilà, hop, nickel. On va se reposer, bon, en fait, à l'endroit où on était de base. Donc voilà, alors, hop, c'est parti. On reprend les angles de caméra et on va aller voir un petit peu si je vois quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On va aller regarder un petit peu. Ah bah tiens, regardez ça. Il y a le Félix qui est juste là-bas. Il est en train de... On dirait qu'il est en train de faire un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Ah il joue à cache-cache. Ah il y a Lola qui s'est réveillée en plus de ça. Bon bah c'est parfait. On va aller voir un petit peu où est-ce qu'ils peuvent... Où est-ce qu'ils ont bien pu aller se cacher. Je vais me cacher. 7. Ok. 8. Alors bon pour l'instant je vois personne. Tac. 10. J'arrive. Oula, ok, bon les amis, il y a Félix qui va arriver apparemment. Alors ouais, vous avez pu le voir, il est juste ici. Alors, what? Attendez, mais il a un truc dans la main là. Oula, ok, bon vite. Arrête, il faut que je change de... Wow, mais les amis, regardez, il y a Félix qui est en train de courser mon fils avec un couteau dans la main. Wow, les potes. Mais non, mais je dis pas que c'est pas vrai. Et il est Lola, elle est cachée où? Ok, Lola, elle est juste ici là, vous avez pu le voir. Oh là. Ok, bon, les potes, je pense qu'il faut vite que j'intervienne, là, les gars, là, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a l'air. Ok, il y a Tutu qui est là, il est en train d'essayer d'esquiver Cartoon 4. Regardez, il est en sueur, il a peur, je crois. Il est en train de pleurer, peut-être. Ok, bon, les potes, là, les amis, c'était le truc de trop, c'est parti, hop. Faut qu'on parte. On rentre avec le revolver. Ok. Je vais vous attraper. Les potes, là, l'heure est beaucoup plus grave que ça en a l'air. Oh, toi, là, qu'est-ce que t'es? Tu veux quoi? Pourquoi tu menaces mes enfants avec un couteau? Mais je menace personne moi. Reviens là. Les enfants, on est d'accord qu'il avait un couteau dans la main. Oui. Ouais, mais là oui. Tu sais quoi là? Là il m'a énervé. Non, reviens là. Il part vite. Faut qu'on le rattrape les potes, faut qu'on le rattrape. OK, vite, il faut qu'on récupère la voiture. Oh non, il a pris la voiture. Il va aller beaucoup plus rapidement que nous. OK. Bon. Il est là, il est dans la voiture, il est dans la voiture. Non mais voilà, les potes. Regarde la voiture. Ah. La voiture s'est cassée les gars. Bon, vite les gars, il faut qu'on rattrape Cartoon Cat. What les gars? Attendez, mais... Je suis occupé là. Mais non, mais me dites pas qu'il est quand même mort. Non. Vous venez de tuer Cartoon Cat les enfants, mais vous êtes des grands malades. Ouais. Parce que du coup, on est bien d'accord que ce monstre bizarre, c'était bien Cartoon Cat en fait, non? Bah ouais, mais tu sais quoi, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah, qu'est-ce qui se passe, Tutu? Attends déjà, je te vois pas, t'es passé où? Je suis là, en fait. Ah, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mauvaise nouvelle comme ça? Mais tu sais, bah, vu que c'est quelqu'un qui est, tu sais, c'est un fou, c'est un monstre et tout, tu sais ça. Ouais, oui, j'imagine.
Et donc... T'as vu que c'est un monstre, et ben ça veut dire que à chaque fois qu'on va le tuer, il va revenir. Oh, et il va revenir encore plus méchant que maintenant. Non. Oui. Oh là 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 là, bon, vite les potes, il faut qu'on aille se réfugier. Venez les enfants, on va se réfugier à la maison. Bon, et ben les amis, comme vous avez pu l'entendre, apparemment Cartoon Cat, étant donné que c'est un monstre un petit peu méchant, et ben il va se ressusciter à chaque fois, et en plus dans une forme encore plus méchante à chaque fois. Donc les potes, en tout cas, si jamais vous voulez revoir des vidéos un petit peu comme celle-ci dès maintenant, hein, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu sous la vidéo, ça me soutient énormément. Et puis en plus comme ça je peux faire plein d'autres vidéos comme celle-ci. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas dès maintenant à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir sponsor à la chaîne, parce que je dédicace tous les nouveaux sponsors chaque jour. Et puis d'ailleurs, ouais Lola, dis-moi. Je peux demander un objectif de like? Vas-y, vas-y, bah écoute, on t'écoute tous Lola, dis-nous, c'est quoi aujourd'hui l'objectif de pouce bleu? Objectif de like. Vas-y, dis-nous. Je veux 2125 likes. 2125 likes. Et ils doivent liker comment les abonnés là, ceux qui regardent la vidéo là? Avec leurs doigts de pied. Ok. Bon, et bah les amis, comme vous avez pu l'entendre, aujourd'hui, vous devez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne avec votre doigt de pied. Et puis surtout, regardez une autre vidéo de ma chaîne en cliquant avec votre doigt de pied. Tous ceux qui le feront, je vous ferai une dédicace. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve, bah du coup, à tout de suite si vous regardez une nouvelle vidéo avec votre doigt de pied. Hein, les enfants, hein ouais. Allez, voilà, à tout de suite.